Bonjour et bienvenue dans cette première session Google Analytics. Aujourd'hui, on va parler de l'installation de Google Analytics au sens large. Comment on fait dès le départ pour le mettre sur le site? On va utiliser aussi Google Tag Manager. On va également faire des associations avec tous les comptes Google. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Je me présente peut-être brièvement. Donc, je suis Bruno Guyot, je suis consultant Google indépendant et cofondateur de Blaise et Bruno. Je suis aussi traîneur officiel pour la Suisse et blogueur et conférencier. Donc voilà pour les présentations. Voyons tout de suite l'agenda. Donc on va faire une brève introduction sur Google Analytics et sa place dans l'écosystème. On va voir la création de compte pour Google Tag Manager. On va créer un container. On va installer ça sur un site. Ensuite, on va créer un compte Google Analytics. On va installer Google Analytics par Google Tag Manager. Et puis, à l'intérieur de Google Analytics, on va faire tous les paramétrages qui sont importants à faire dès le départ. Donc, il y en aura pas mal. Et puis, à la fin, on s'assurera que l'installation qu'on a faite, elle est bonne. Donc, voilà pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, passons sans transition immédiatement à l'intérieur de Google Analytics. Hop. Alors, donc pour commencer, vous allez sur analytics.google.com. Et puis là, si vous n'avez pas encore de compte, il va vous proposer de créer un nouveau compte. Donc, vous arriverez sur une fenêtre qui ressemble à peu près à ça. Tiens, j'ai oublié de vous prévenir et c'est très important. Je m'excuse d'avance parce que je n'ai pas un réseau gigantesque. Et du coup, je sais que la diffusion n'est pas optimale. Alors, je vais essayer d'aller doucement parce que ça frise un peu au début. Mais après, normalement, la netteté est meilleure. N'hésitez pas à me dire, j'ai un œil sur les commentaires, s'il y a des choses que vous ne voyez pas et s'il y a des choses qu'il faut que je réexplique éventuellement. Donc, reprenons. Alors, soit vous avez déjà un Analytics existant et auquel cas, vous pouvez vous rendre dans l'administration et là, vous pouvez créer un nouveau compte. Soit vous n'avez pas de compte Analytics existant et auquel cas, vous arriverez directement sur la fenêtre de configuration. Alors, commençons par l'Analytics. On aurait pu commencer par Google Tag Manager, mais dans le fond, ça n'a pas énormément d'impact. Il faudra créer les deux. Donc ici, on va appeler ça, par exemple, mon site test.com. Donc le nom du compte, en fait, le nom du compte, la meilleure pratique, c'est plutôt de le mettre au nom de l'entreprise. Donc on va appeler ça mon entreprise. Donc ensuite, vous allez sur suivant. Donc nous, ce qu'on va traquer, c'est du web. Hein, c'est un site web. Ensuite, on va créer une propriété. Donc une propriété, c'est l'équivalent d'un site web. En général, on va créer une propriété par site web. Donc là, cette fois, on va pouvoir appeler ça mon site test.com, par exemple. Ici, il va falloir rajouter l'URL effective de votre site. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est important. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce n'est pas trop flou au niveau de la démonstration? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je voudrais être sûr que tout le monde puisse voir et profiter. Bon, écoutez, pour l'instant, pas de commentaires, donc on va dire que tout va bien. Ça va encore, ok, difficile à voir. Ouais, je suis désolé, j'ai mis tout le monde dehors, j'ai mis toute la famille dans le jardin, je leur ai fait tous couper les Wi-Fi. Vraiment, on a fait le mieux possible, mais je sais que la connexion est faible. Ouais.
Alors allons-y, on va essayer de s'accrocher. Ouais, pas top. Ouais, je suis désolé. J'ai pas vraiment moyen de faire mieux que ce qu'on a actuellement. Bon, allez, on essaie d'avancer comme ça. Si toutefois vraiment la qualité elle est trop médiocre, on verra peut-être à enregistrer et à faire autrement que sur du live. Donc reprenons. On a configuré la propriété. La propriété, c'est égal à un site web. Donc je crée. Ah, très bonne suggestion. Très bonne suggestion. Je vais augmenter le zoom. Bougez pas. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, je fais le pari que c'est mieux. Allez, on y va, on avance. Donc ensuite, on crée. C'est mieux, super. Merci. Donc on accepte les conditions d'utilisation. Voilà, ici c'est pareil. Ok, super. Donc on a créé le compte Analytics. Le compte Analytics, il est au nom de votre entreprise parce que votre entreprise, elle peut avoir plusieurs sites web. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a créé une propriété. Une propriété, c'est égal à un site web. Et maintenant qu'on a créé cette propriété, donc on obtient un identifiant de suivi. Et l'identifiant de suivi, c'est ce qui va nous servir à intégrer Google Analytics sur votre site. Alors, vous voyez, ici, il vous donne un code de suivi et il vous dit que ce code de suivi, il va être intégré sur toutes les pages de votre site web. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est l'ancienne manière de faire. Aujourd'hui, on est en 2020 et on va utiliser Google Tag Manager. Alors, je veux juste peut-être vous montrer quelque chose. Donc, comme j'expliquais, l'ancienne manière de faire, ça va être d'installer Google Analytics directement sur le site web par l'intermédiaire du code de suivi, ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'on fait la collecte par Google Analytics. Après, les données, elles sont collectées, elles sont envoyées chez Google Analytics où elles sont stockées. Et ensuite, on va pouvoir faire des rapports, on va pouvoir visualiser nos données à l'intérieur de Google Analytics. Ça, c'était l'ancienne manière de faire. Aujourd'hui, on est en 2020 et on va être un tout petit peu plus moderne. On va utiliser Google Tag Manager pour faire la collecte. On va l'utiliser pour faire la collecte parce qu'il a été créé pour ça. Et en fait, l'avantage majeur de Google Tag Manager, il y en a beaucoup, mais disons que un des plus gros avantages, ça va être qu'on va mettre en place le tracking, la mesure des choses qu'on veut voir. On va définir des règles à l'intérieur de Google Tag Manager pour définir ce qu'on veut traquer. Et ensuite, on va envoyer ça chez Google Analytics, mais on va pouvoir l'envoyer aussi chez Facebook, chez Google Ads, chez n'importe quel fournisseur tiers. Et en fait, la configuration qu'on aura faite une fois ici à l'intérieur de Google Tag Manager, on n'a pas besoin de la refaire pour chacun. Et c'est ça l'avantage gigantesque de passer par Google Tag Manager. Donc, on fait la configuration une fois des interactions qui vont être à suivre sur le site web. Et ensuite, on va pouvoir les envoyer partout, chez tous les autres fournisseurs, sans avoir à refaire le travail plusieurs fois. Donc, on gagne du temps. Donc voilà pourquoi on va utiliser Google Tag Manager. Donc maintenant, on va aller dans tagmanager.google.com. Donc soit vous avez déjà un compte et à ce moment-là, vous verrez ici les accès aux différents sites que vous avez. Je vais me remettre en 125% pour être sûr que vous voyez bien. J'ai compris la leçon. Donc, soit vous avez effectivement déjà des comptes ici, auquel cas vous voulez créer un nouveau compte, et soit sinon vous arriverez directement en fait sur cette interface de création de compte. Donc ici, on va appeler ça mon site, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mon site test.com. Alors, même combat,
Ici, ça va être le nom de votre entreprise. Donc, mon entreprise. Ça, c'est plus juste. Ensuite, vous choisissez le pays. Vous pouvez partager des données anonymement avec Google. Vous n'êtes pas obligé de le faire, notamment dans le cadre du RGPD ou équivalent. Ensuite, ici, on va créer un container. Donc, un container, c'est le site. Si vous vous rappelez un peu, juste pour mettre les bons mots et faire une redite, mais dans l'Analytics, le compte correspond à l'entreprise. Et c'est pareil dans Google Tag Manager. Et dans Google Analytics, un site web correspond à une propriété. Et dans Google Tag Manager, un site web correspond à un container. Voilà, c'est juste mettre les bons mots sur les bonnes choses. Donc ici, on a défini pour quel site on allait créer un compte Google Tag Manager. Comme tout à l'heure sur l'Analytics, il nous demande quel type de compte il faut créer. Donc là, c'est du web, parce que c'est pour un site web. On peut créer pour d'autres choses, des applications, y compris de l'AMP, qui sont un format de HTML un petit peu particulier, créé par Google en open source pour avoir des pages qui s'affichent beaucoup plus rapidement sur les mobiles. C'est un cas particulier qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais on va se concentrer sur le web, qui est le cas vraiment générique. Ensuite, on va pouvoir créer. Donc, de nouveau, vous allez devoir accepter les conditions d'utilisation. Donc là, on vient de créer le compte Google Tag Manager et le container. Donc maintenant, il nous dit qu'il va falloir installer Google Tag Manager. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Vous avez créé le compte, mais tant que vous n'avez pas installé Google Tag Manager sur votre site, il ne se passe rien. Ça ne peut pas marcher. Donc, première étape, on crée le compte à l'intérieur de Google Tag Manager. Et deuxième étape, on va aller l'installer sur le site. Alors, il nous donne des instructions. Il nous dit, OK, tu vas devoir coller ce script-là sur toutes les pages dans la section Aide. Et tu vas également devoir coller ce script-là sur toutes les pages aussi et juste en dessous de la balise body. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc déjà, on va venir copier ce code-là. Je vais vous montrer sur mon site. J'ai pris mon site volontairement parce que c'est un site WordPress et que WordPress, ça représente 60% de part de marché au niveau des sites web. Donc, il y a de fortes chances que votre site soit WordPress. Et s'il ne l'est pas, ne vous inquiétez pas, on va voir aussi le cas générique. Alors, je vais peut-être augmenter ici aussi, me mettre à 125. Donc, je commence par vous montrer le cas générique, celui où vous n'avez pas WordPress. Ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ça fonctionnera pour tous les sites, quels qu'ils soient. Donc, il faut se rendre. En général, vous avez une agence qui a fait votre site web et vous allez avoir tendance à lui envoyer ces éléments-là. Vous lui dites, OK, il faut que tu m'installes Google Tag Manager. Tiens, voilà tout ce qu'il te faut pour l'installer. Vous lui envoyez ça par mail, puis eux, ils se chargent. Mais dans la possibilité où vous voulez le faire par vous-même, du coup, je vous montre, il faudra que vous trouviez le fichier header.php de votre site. Globalement, si votre site, c'est un CMS, quasiment à coup sûr, il a un header.php. Et en gros, c'est ce qui va générer le header de toutes les pages de votre site. Et donc, il va falloir coller dans la section Aide. Donc, la section Aide, elle est là, vous voyez, c'est cette balise-là. Donc, j'appuie sur Entrée, je colle mon script. Ensuite, je dois coller celui-ci en dessous de la balise Body. Donc, je vais copier celui-là. Et puis, je vais trouver la balise Body, vous voyez, elle est ici. Hop. Donc, je fais la même chose, je colle. Donc ça, c'est le cas générique. Ça, c'est le cas où vous devez aller coller, copier-coller les scripts à l'intérieur de votre code. Maintenant, si vous êtes sur WordPress, vous avez un truc qui est génial et qu'il faut absolument utiliser, ça s'appelle les plugins. Alors, je vais supprimer ces codes que j'ai mis en dur. Et maintenant, on va aller dans les extensions. Et on va aller ajouter une nouvelle extension. Donc ici, vous êtes dans les extensions, vous avez la possibilité de faire une recherche. Donc nous, on va chercher Google Tag Manager. J'essaie volontairement de laisser un peu de temps pour que le stream et sa qualité soient un peu meilleurs et que vous puissiez bien voir. N'hésitez pas à me donner du feedback, hein, si jamais. Donc,
Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors, chez moi, il est déjà installé. Donc, vous voyez, il est actif. Mais si chez vous, il n'était pas installé, il faudrait aller sur « Installer ici ». Donc, il l'installerait automatiquement. Une fois qu'il l'aurait installé, il vous proposerait de l'activer. Donc, vous recliquez sur le bouton pour activer. Et ensuite, il va vous proposer de le configurer. Donc, en gros, il va vous amener directement dans les réglages Google Tag Manager. Et vous aurez cette case-là qui sera vide. Donc, il vous demande votre identifiant Google Tag Manager. Donc, à ce moment-là, l'identifiant Google Tag Manager, c'est ce truc-là. Notez que si la fenêtre est fermée, votre identifiant Google Tag Manager, vous le retrouvez ici aussi. Et si vous voulez retrouver votre code parce que vous avez fermé la fenêtre sans faire exprès, il vous suffit de cliquer ici, hop, et la fenêtre, elle se réouvre. Donc, on vient copier ce truc-là. Et puis, on va venir l'ajouter ici. Alors, évidemment, c'est mon site et il a déjà un Google Tag Manager qui est en route. Alors, je ne vais pas modifier, mais vous avez compris le principe. Et puis, il y a juste une toute petite configuration à faire. Donc, le meilleur moyen de placer Google Tag Manager avec ce plugin sur votre site WordPress, c'est d'utiliser ça, c'est d'utiliser le custom. Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est que si vous utilisez custom, vous avez juste un tout petit truc à faire, c'est ça. Vous allez venir copier ce truc-là, ici, et il vous dit qu'il faut mettre ça juste après la balise body. Donc, vous allez dans les apparences, vous allez dans l'éditeur, vous recherchez, comme tout à l'heure, le header.php. Et juste en dessous de la balise body, hop, vous venez coller ce que vous avez copié dans l'interface de configuration. Et puis là, après, vous n'avez plus qu'à mettre à jour le fichier et l'affaire est faite. Déjà, est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que je ne vous ai pas perdu? Est-ce que tout va bien? Il y a un petit décalage entre vous et moi, il y a à peu près 15 à 20 secondes. C'est pour ça que des fois, je vous pose des questions, puis j'attends et je ne bouge pas. Je ne suis pas en stand-by, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'attends les 15-20 secondes de décalage entre la question que je vous ai posée et les commentaires que je vois apparaître. OK. Bon, je vais avancer. OK, c'est très clair. Super, merci. Donc, retournons dans nos réglages. Donc, dans nos réglages, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, maintenant, vous avez fait le placement, vous avez tout bien mis comme il faut. Après, ce plugin, c'est le meilleur du marché. Vraiment, il est incroyable. Et on va pouvoir faire pas mal d'intégrations. Je vais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais on va le programmer dans un prochain webinar où on parlera plus spécifiquement de Google Tag Manager. Là, on va se focaliser, comme c'est le sujet aujourd'hui, sur Google Analytics. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse et qu'on parle plus aussi en détail de Google Tag Manager, n'hésitez pas à laisser un commentaire de manière à ce que je sache les sujets qu'on traitera par la suite. En gros, voilà, on est en confinement. C'est vrai que d'habitude, ces événements Google, on les fait dans la vraie vie. On fait ça à l'EPFL à Lausanne. Et puis là, c'est l'opportunité de les faire en live. Et puis, probablement qu'il va y en avoir d'autres pendant encore quelques temps. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel genre de session vous voudriez qu'on fasse. Moi, ça m'aide. L'idée, c'est de faire des choses qui sont utiles pour vous, sinon ça ne sert à rien. Bref, donc je vous ai montré comment on installait sur votre site Google Tag Manager. On a créé un compte Analytics. On a créé le compte Tag Manager. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien maintenant, on va installer Google Analytics par l'intermédiaire de Google Tag Manager. Donc, je viens à l'intérieur du Google Tag Manager. Je vais aller dans les balises. Donc, une balise, c'est ni plus ni moins qu'un script, un code qu'on va déclencher dans certaines conditions. Des conditions, ça s'appelle des déclencheurs. Je prends le parti pris de vous montrer par la pratique et de théoriser dans un second temps plutôt que de vous faire
absolument de la théorie maintenant et que ce soit barbant et que finalement on fasse la pratique qu'après. Donc allons-y, avançons. Et puis de toute manière, j'ai plein de ressources aussi à vous donner si vous voulez creuser un petit peu et aller plus loin. Il y a énormément de ressources qui existent. Bref. Donc une balise, c'est un script qu'on va vouloir déclencher sur notre site selon certaines conditions. Alors maintenant, si on vient dans Google Analytics, vous voyez, lui, il nous dit, tu dois mettre ce script-là et tu dois le déclencher sur toutes les pages de ton site. C'est ça qu'il nous dit, de manière décryptée. Une fois qu'on a décrypté puis qu'on dit en bon français ce que ça veut dire, tu prends ce truc-là, tu le copies-colles sur toutes les, tu le copies-colles dans ton site et il faut que ça se déclenche à toutes les pages. Donc, voyons comment on va faire ça dans Google Tag Manager. Donc, on va créer une nouvelle balise. Rappelez-vous, une balise, c'est l'équivalent d'un script. Donc, je vais sur Nouveau et puis je vais dire que ce sera Google Analytics et puis on peut dire toutes les pages. On va dire suivi toutes les pages. Donc là, il me demande de configurer mon script, ma balise. Donc ma balise, c'est soit je peux faire un copier-coller de ce code-là, par exemple. Je pourrais le copier-coller. Mais un des avantages de Google Tag Manager, c'est qu'en fait, il a toute une librairie déjà toute faite de scripts pour lesquels, on appelle ça des templates, au lieu de devoir coller l'intégralité du code, on choisit un des templates existants, on lui dit type de suivi, bah là c'est page vue, c'est-à-dire qu'on veut qu'à chaque fois qu'il y ait une page vue, on déclenche le script, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui nous est demandé ici, on veut que tu déclenches ce truc-là sur toutes les pages. Donc, c'est le script de type page vue. Ici, il nous demande quel est le paramètre Google Analytics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? En fait, un paramètre Google Analytics, c'est un identifiant. C'est-à-dire ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous, ce que vous voyez dans Google Tag Manager, c'est un template qui vous dit, OK, installez Google Analytics. Mais en fait, derrière ce truc simplifié, se cache ni plus ni moins que ce code-là. C'est juste que nous, on a une interface utilisateur qui est plutôt sympa au lieu d'avoir du code. C'est une des grandes promesses de Google Tag Manager, c'est que vous n'aurez plus, jusqu'à un certain niveau, mais vous n'aurez plus à mettre les mains dans le code. Et en fait, vous utilisez une interface qui est sympa, qui est pratique, qui est ergonomique pour installer tous vos trackings. Mais ne vous inquiétez pas, ça va devenir encore plus concret avec le temps. Donc, paramètres Google Analytics, il me propose de créer une nouvelle variable. Donc, je clique dessus. Et là, il me demande donc l'identifiant de suivi Google Analytics. Alors, ça tombe bien parce que ici, j'ai un truc qui s'appelle identifiant de suivi. Donc, je copie ça. Et je vais venir le coller ici, tout simplement. Maintenant, je vais l'enregistrer. Il me dit, attends, tu veux enregistrer, mais tu ne lui as pas donné de nom. Oui, effectivement, ici, il n'y avait pas de nom. Donc, j'enregistre ce truc-là par défaut, ça me va bien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je veux que tu me mettes un script Google Analytics de type page vue. Donc le script de type page, le script de type page vue, c'est ce truc-là. Je veux que tu me dises dans quel compte Google Analytics il faut que j'envoie les informations. Donc le compte, c'est celui-là. C'est l'identifiant bien unique du compte qu'on vient de créer, notre compte à nous. Et puis maintenant, il nous manque une chose. Il nous manque une chose essentielle, c'est-à-dire qu'on a défini le quoi. Le quoi, c'est ce fameux script Google Analytics avec cet identifiant spécifique. Mais il nous manque le quand. Et le quand, bah, ils nous l'ont dit. On veut que tu mettes ça sur chacune des pages de ton site pour qu'à chaque fois qu'il y ait une page qui apparaisse par un visiteur, ce script soit envoyé. Alors du coup, on va mettre un déclencheur. Le déclencheur, ça correspond à la question quand. En gros, je veux déclencher quoi, c'est la balise, et je veux la déclencher quand, c'est le déclencheur. Donc, je viens là-dedans. J'ai un seul déclencheur existant par défaut à l'intérieur d'un nouveau compte Google Tag Manager. C'est celui qui s'appelle All Page. Et ça tombe bien parce que All Page, ça veut dire qu'on va déclencher ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle page qui est vue. Donc, finalement, on a fait ce qu'on voulait. On a déclenché le script de Google Analytics sur toutes les pages du site. On a fait ça à l'intérieur de Google Tag Manager qui lui-même a été installé sur notre site. Vous voyez ? Donc en fait, on pourrait
dire ça autrement, on pourrait dire qu'on installe Google Tag Manager sur un site une fois, et puis on pourrait dire que c'est un espèce de cheval de Troie. À l'intérieur de ce Google Tag Manager qui est installé une fois sur un site, on va pouvoir fourrer des trucs à l'intérieur de ce cheval de Troie par l'intermédiaire de cette interface. Et ensuite, selon les règles qu'on aura définies, la porte du cheval de Troie va s'ouvrir et laisser sortir des scripts. Vous voyez ? Je ne sais pas si l'analogie est très claire pour vous, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, j'ai configuré ma balise. Je vais l'enregistrer. Et puis, maintenant, il y a un piège. Il y a un piège. C'est-à-dire que, est-ce que d'après vous, en l'état, est-ce que ça y est, Google Analytics est installé sur le site ? Et bien, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de travailler à l'intérieur de Google Tag Manager et de paramétrer plein de choses comme ça. Mais tant que vous n'aurez pas ce qu'on appelle publier le container, alors à ce moment-là, ce ne sera pas live sur votre site. Donc, pour publier, on va venir ici sur envoyer. Donc là, il me dit, OK, tu veux envoyer le travail que tu as fait à l'intérieur de Google Tag Manager. OK. Donc, on a la possibilité de lui donner un nom. Donc, mettons, pour s'y retrouver, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais pour s'y retrouver, c'est toujours bien de donner un nom. Donc là, on pourrait dire ajout de Google Analytics sur toutes les pages. On pourrait éventuellement donner encore un peu plus de détails ici. Pensez bien que si vous êtes seul à travailler sur votre tag manager, il n'y a pas forcément besoin d'aller mettre autant de détails. Maintenant, imaginez si vous êtes beaucoup à travailler dessus et que vous êtes dans une équipe dans laquelle il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir et qui vont avoir le contrôle sur un seul et même Google Tag Manager. C'est très important de pouvoir communiquer avec les autres et le moyen de faire ça, c'est d'aller mettre un petit nom là-dedans. Ensuite, on va publier. Et à partir de là, voilà, donc il me dit, OK, ça y est, tu as publié ton container. Et donc, désormais, Google Analytics est installé sur toutes les pages de mon site. Ça y est, on l'a fait. Est-ce que jusque-là, c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez que je réexplique quelque chose, que je remonte quelque chose, ou on passe à la suite ? Bon, je vais avancer. OK pour la suite, très clair, super. Merci pour votre feedback. Donc, la suite, c'est quoi ? La suite, ça va être de faire le paramétrage de ce compte Google Analytics selon les meilleures pratiques. Alors, donc on a créé ce compte-là. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on aille voir. Déjà, c'est quelque chose que je recommande, mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je recommande d'activer les rapports sur les données démographiques et les centres d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, je l'active. Je l'enregistre. En fait, donc c'est vrai que je ne vous ai peut-être pas donné le tableau d'ensemble de ces différentes sessions. Donc là, aujourd'hui, on fait tout ce qui est installation et paramétrage. Alors, attendez, je vais même faire mieux que ça, histoire que on se voit un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait tout ce qui est installation, paramétrage, et puis la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on va faire tout ce qui est découverte des différents rapports. Et puis surtout, comment on utilise l'outil. Parce que savoir l'installer, le paramétrer, etc., bah c'est la base. Il faut commencer par là. C'est pour ça qu'on commence par là aujourd'hui. Mais par contre, la semaine prochaine, on va commencer à regarder comment on s'en sert. Et puis surtout, comment on trouve des informations qui vont nous permettre d'améliorer notre site ou d'améliorer notre marketing. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Revenons-en à nos moutons. Donc, j'ai activé le rapport sur les données démographiques. Donc ici, ce sera au programme de la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Et je veux juste vous expliquer pourquoi j'active ce truc-là.
En fait, quand vous allez dans les rapports sur l'audience pour savoir, pour en apprendre plus sur les visiteurs de votre site, vous avez la possibilité d'avoir des données sur tout ce qui est âge, sur tout ce qui est sexe et aussi centre d'intérêt. Alors attendez, je vous montre. Vous montrer dans un autre compte. C'est un peu long à charger, je suis désolé. Bon, tiens, c'est mon analytique, ça gêne pas. Donc, si on va dans les données démographiques. Allez, charge. Charge, charge, charge. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des rapports comme ça. Et puis, on pourra les segmenter et aller voir dans le détail en fonction de certains comportements. Si le visiteur, il a fait une commande, s'il m'a contacté, que c'est un prospect, etc. Donc, on va pouvoir mettre des conditions pour filtrer un petit peu le trafic. Et en fonction de ces conditions, on pourra se donner une notion de sexe, d'âge. On pourra aussi avoir des centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt, d'après moi, si on les prend tels quels, juste pour se donner une idée de qui est l'audience, ce n'est pas ultra pertinent. Par contre, un truc qui est pertinent, c'est que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des ciblages de Google Ads. Et du coup, je vous expliquerai la prochaine fois comment on va pouvoir utiliser tout ça, mais ça a une certaine valeur. Donc, c'est pour ça que je recommande vivement d'activer ces rapports sur la publicité. Donc, ça se trouve dans les paramètres de la propriété ici. Ensuite, on va aller dans les informations de suivi. Puis, on va les regarder un petit peu. Donc, ici, vous retrouvez votre code de suivi, le truc qui vous a permis d'installer. Ensuite, on va aller voir sur la collecte des données. Il y a un truc qui est, d'après moi, très important, c'est d'activer le remarketing. Alors, après, vous pourrez me dire que si vous ne faites pas de publicité, le remarketing, on s'en fout un peu, et vous avez raison. Maintenant, pour être honnête, en 2020, quand on a un site web, si on ne fait pas d'effort marketing, c'est compliqué d'avoir du monde. Alors après, Google Ads est un des leviers, il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Mais disons que si vous utilisez Google Ads, il faut absolument que vous activiez le remarketing pour pouvoir créer des audiences. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. On va créer des audiences qu'on enverra dans Google AdWords. Google Ads, pardon. Donc là, j'enregistre. Ensuite, un petit mot quand même sur la conservation des données. On est dans une époque un peu compliquée avec la vie privée. Donc il faut avoir conscience qu'on a la possibilité de modifier certains paramètres ici. Vous pouvez déterminer la durée de conservation des données. Donc ça, vous pouvez le modifier ici à votre guise. Et puis, ça, c'est un paramètre qui vous permet de dire. Vous voyez par exemple, imaginons il y a un utilisateur, il vient, et puis il revient au bout de 25 mois. En admettant qu'il soit reconnu au bout de 25 mois, et s'il est revenu au bout de 25 mois, alors que nous, on garde les données 26 mois, et que ce truc-là s'est activé, ça veut dire qu'on repart pour 26 mois et qu'il conserve les données d'avant. Alors qu'à contrario, si vous le désactivez, les données ne seront pas conservées rétrospectivement. Voilà, donc ça, c'est important de savoir qu'on peut faire ça. Ensuite, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. Après, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah si, il y a un truc qui est assez récent et que je vous conseille d'activer. Alors, je fais une toute petite pause. Je vois que j'ai une question. Pourquoi utiliser un plugin alors qu'il y a un plugin officiel Google? Alors, j'utilise ce. Alors, attendez, ne bougez pas. Par principe, quand je vous parle, j'essaie de vous regarder, c'est mieux. Donc, par principe, en fait, j'utilise le plugin Google Tag Manager pour WordPress parce qu'il a des options ultra avancées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne va pas voir ça aujourd'hui, mais on va voir ça une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Et en fait, il a des options ultra avancées qui vont nous permettre, qui vont nous simplifier la vie et nous faire gagner un temps fou pour bien bien des choses un peu plus avancées. Et du coup, je préfère vraiment celui-là, c'est le meilleur de tous, d'après moi, hein, d'après moi. Vous pouvez tester, évidemment, vous pouvez en tester plusieurs pour vous.
Mais pour moi, celui-là, c'est le plus abouti. Il est mis à jour tout le temps. Le développeur, il est très réactif. Et puis, il existe depuis je ne sais pas combien de temps. Enfin, voilà. Alors, remettons-nous sur l'écran. Donc, ce que je veux vous montrer ensuite, c'est la fonctionnalité Google Signal. Alors, en fait, on en parlera la semaine prochaine quand on regardera un peu les rapports. Mais il y a un truc assez récent qui s'appelle multi-appareil. En gros, c'est une tentative de Google de comprendre les comportements multi-appareils. C'est-à-dire essayer de comprendre dans un monde sans cookies les comportements sur votre site. Alors pour l'instant, c'est en bêta. Et puis pour l'instant, ce n'est pas extrêmement actionnable. Vous allez me dire, c'est mieux que rien. On ne va pas cracher dans la soupe non plus. Mais en tout cas, par défaut, ce n'est pas activé. Donc, il faut juste aller l'activer ici. Donc, vous allez dans ces rapports multi-appareils, vous cliquez sur n'importe lequel des rapports. Et puis, à ce moment-là, vous devez l'activer. Voilà, donc là, terminé. Je soupçonne fortement qu'en activant ce truc-là, vos audiences de remarketing, elles se rempliront mieux et vous aurez des meilleurs signaux pour le remarketing. Ouais. Non pas que ce soit ultra exploitable dans les rapports tels quels, mais j'ai l'impression que les comptes sur lesquels c'est activé, les audiences, elles sont meilleures et il y en a plus. Voilà, pour info. Donc ça, c'était pour le multi-appareil. Je voudrais vous montrer aussi, évidemment, des choses de base, mais qui sont importantes à savoir. Donc comment on fait pour donner un accès d'autres utilisateurs du compte. Donc, ça se joue ici. Vous avez vu, vous avez la possibilité de donner des accès à plusieurs niveaux. Hein. Donc, soit vous donnez au niveau du compte. Donc, peut-être une toute petite parenthèse sur l'architecture d'un compte. Google Analytics, il raisonne en termes de compte, de propriété et de vue. En fait, un compte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment lié à une entreprise. Donc là, c'est le plus haut niveau que vous pouvez avoir. Ensuite, une propriété, elle est liée à un site web. Généralement, à un site web. Ça pourrait être une app aussi, mais là, on est dans le cas d'un site web. Et en gros, si mon entreprise venait à faire un deuxième site, mettons mon site test2.com, et ben on créerait une nouvelle propriété pour ce site. Donc, vous avez la possibilité de donner des accès à des utilisateurs au niveau d'un site en particulier. Par exemple, si vous travaillez avec une agence pour je sais pas, pour votre site numéro 1 et que vous avez 2, 3, 4 autres sites, ben, vous n'avez pas forcément envie de lui donner des accès au niveau du compte et puis qu'elle puisse voir tout ce qu'il y a dedans. Et du coup, vous aurez un meilleur temps de lui donner un accès sur la propriété. Et puis ensuite, il y a les vues. Alors, les vues, comment vous dire ça facilement? Les vues, en fait, c'est là où vous allez regarder les rapports. Et en fait, vous allez pouvoir mettre des filtres. On va en parler juste dans 2-3 minutes. Vous allez pouvoir faire des filtres et faire des vues filtrées. Par exemple, vous pourriez faire une vue uniquement pour les visiteurs qui viennent du SEO. Ou vous pourriez faire une vue pour les visiteurs qui viennent uniquement de Suisse et qui parlent français ou qui parlent allemand. Donc en fait, vous avez la possibilité de créer une multitude de vues pour visualiser vos données spécifiquement. Et donc, vous pouvez également donner des accès au niveau de la vue. Donc là, je vous montre au niveau du compte, mais le principe est exactement le même. Là, on va venir ajouter ici des utilisateurs. Donc, vous devez saisir l'adresse email de, j'en sais rien, n'importe quel utilisateur que vous voulez. Hop. Donc, à noter que si cette adresse-là n'est pas reliée à un compte Google, ça ne marchera pas. Il faut que cette adresse-là ait un compte Google pour pouvoir être invité. Pour information. Donc là, vous pouvez laisser cocher par défaut, la personne recevra un email. Et puis là, vous allez gérer les accès. En gros, ici, il peut rien faire. Il peut seulement lire et regarder les données. Après, si vous voulez que la personne configure certaines choses, comme des objectifs ou comme des filtres, etc., il va falloir qu'elle ait le niveau de modification. Et puis enfin, si vous voulez en faire un admin qui va pouvoir ajouter elle-même des utilisateurs, il faudra cocher ça. Alors attention quand même. Si jamais vous donnez un accès admin avec gestion des utilisateurs à quelqu'un, vous avez intérêt d'une part à avoir bien confiance en lui et qu'il connaisse le produit et qu'il ne fasse pas d'erreur parce qu'il pourrait vous virer de votre propre compte Google Analytics.
J'ai malheureusement vu des histoires comme ça où des agences peu scrupuleuses, mécontentes de rompre avec un client sur un désaccord, avaient créé le compte Analytics et finalement viraient le client de son compte Analytics. Et puis derrière, c'est la croix et la bannière pour pouvoir récupérer ses accès. Donc voilà, une fois que vous avez déterminé l'accès que vous voulez donner, vous ajoutez ici et l'affaire est faite. Ensuite, de quoi je voulais vous parler ? Je voulais vous parler d'associations. Alors déjà, je vais reprendre peut-être juste ça. Ça devait être là. Vous voyez, en fait, Google Analytics, il est là, mais il s'intègre dans une suite de produits marketing de Google qui vont collaborer les uns avec les autres. Et en fait, lui, c'est un petit peu le pivot, le truc central. Donc, lui, on l'installe avec ça désormais. Et puis, lui, on va pouvoir l'enrichir avec des données liées à la Search Console. Je vais vous en parler dans pas longtemps. Et avec des données Google Ads. Donc, et puis, pour être tout à fait honnête et complet, je dirais que désormais, on va faire le reporting avec Data Studio. Vous vous rappelez, je vous ai montré ici qu'on allait collecter avec Google Tag Manager, qu'on allait stocker les données avec Google Analytics et reporter dans Google Analytics. Mais la vérité, c'est que de plus en plus, on reporte avec Data Studio. Un sujet pour un autre jour, avec grand plaisir. C'était juste pour la petite parenthèse. Donc là, on va regarder comment on va pouvoir associer Google Analytics à un compte Search Console, à un compte Google Ads, et l'intérêt et l'avantage de faire ça. Alors, commençons par Google Ads. De toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, si je reviens dans mon Analytics, donc au niveau de la propriété, vous voyez, j'ai la possibilité de faire des associations. Ici, j'ai l'association à Google Ads, donc je clique là-dessus. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il va aller regarder les comptes Google Ads auxquels vous avez accès depuis votre adresse Google sur laquelle vous êtes. Donc là, je suis avec une adresse spécifique. Donc lui, il va regarder quels sont les comptes Google sur lesquels j'ai accès. Et du coup, j'ai volontairement mis un accès à un de mes comptes AdWords à moi. Je vais pouvoir choisir ce compte, continuer. Et je vais pouvoir associer les comptes. J'ai même la possibilité d'intégrer certaines données. Donc, en faisant ça, ça veut dire que je vais avoir des données de Google Ads qui vont remonter dans Google Analytics, des données qui n'y sont pas par défaut. Et ça va me permettre d'avoir un niveau d'analyse hyper intéressant pour toutes mes campagnes à l'intérieur de Google Analytics. Et puis, à contrario, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pourrez aussi, dans Google Ads, avoir, par exemple, le taux de rebond ou la durée moyenne, toutes ces métriques de comportement qui ne sont pas dans Google Ads par défaut, en activant le partage et en faisant l'association des comptes, eh bien, vous aurez des données enrichies dans les deux plateformes. Donc, je fais l'association des comptes. Là, il me dit aussi que ça active le marquage automatique. Alors, le marquage automatique, comment vous dire ça simplement ? Ça vous permet d'avoir un tracking spécifique de manière automatique au niveau de toutes les visites qui viendront de Google Ads. C'est ce qui vous permettra de pouvoir avoir, j'empiète un tout petit peu sur la semaine prochaine, mais vraiment ultra rapidement. En fait, ici, vous avez des rapports de Google Ads. Tant que vous n'avez pas associé les comptes, vous ne pouvez pas y voir grand-chose. Vous verrez juste un truc agrégé avec marqué « Note 7 ». Et vous ne pourrez pas faire d'analyse dans Google Analytics de vos campagnes Google Ads. Une fois que vous avez fait l'association et que le marquage automatique est activé, vous allez pouvoir avoir des rapports spécifiques qui sont liés aux campagnes, aux mots-clés, aux termes de recherche. Enfin, c'est vraiment hyper important. Fin de la parenthèse, je l'expliquerai plus et mieux la prochaine fois. Donc là, on a fait l'association des comptes, c'est bon. Du coup, puisqu'on a fait l'association des comptes, on va pouvoir aller créer des audiences. Typiquement, si vous faites Google Ads, le remarketing, c'est un type de campagne, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Ça vous permet de retoucher les personnes plusieurs fois alors qu'elles ont fait une visite sur votre site et qu'elles n'ont pas rempli l'objectif que vous vous étiez atteint. Par exemple, elles ne vous ont pas contacté pour avoir une offre ou si vous êtes e-commerce, elles n'ont pas commandé. Et du coup, vous pouvez cibler des personnes qui sont venus, mais qui n'ont pas commandé ou qui ne vous ont pas contacté. Et vous allez pouvoir les recibler plusieurs fois comme ça. Et ça,
C'est des campagnes qui marchent très fort. Alors, peut-être avant de faire ça, il y a encore un autre truc qu'il faut que je vous montre avant. Les objectifs. Alors, déjà, les objectifs, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que vous n'avez pas paramétré d'objectifs dans Google Analytics, vous passez complètement à côté de l'outil. En fait, sa grande valeur, c'est de pouvoir définir des interactions qui se passent sur votre site web et de les définir comme objectifs. Par exemple, reprenons l'exemple d'avant. Moi, j'ai un site web et j'ai un formulaire de contact. Je veux que les gens me contactent en me disant bonjour Bruno, on veut travailler avec toi. Eh bien, évidemment, à chaque fois que quelqu'un va me contacter par l'intermédiaire de mon formulaire de contact, je veux absolument que ça remonte une conversion à l'intérieur de Google Analytics. Et comme ça, je peux peut-être vous montrer. Alors, je vais aller sur un autre truc. Je vais aller sur le démo store de Google, qui a beaucoup plus de données. Donc, mettons, je viens ici. Je vais regarder un petit peu les sources de trafic. C'est vraiment des parenthèses, on verra tout ça en détail un peu plus la prochaine fois, vous inquiétez pas. Et en fait, tant que vous n'avez pas paramétré d'objectif, la seule chose que vous pouvez utiliser pour analyser vos données, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Tout ce qui est lié à l'acquisition et tout ce qui est lié au comportement. Par contre, tout ce qui est lié aux objectifs, c'est-à-dire là où il y a l'argent, clairement, il ne faut pas se leurrer, c'est quand on mesure ces interactions-là qu'on se rapproche de l'argent, eh ben, tant que vous n'avez pas paramétré les objectifs, vous pouvez uniquement regarder ça, mais ça a très peu de valeur. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est ce qui se passe ici. C'est quand vous avez déterminé les interactions qui sont importantes pour vous, parce qu'elles vous génèrent du business, parce qu'elles vous génèrent du revenu, et que vous les avez créées à l'intérieur de Google Analytics. Et du coup, une fois que ça c'est fait, tous les rapports que vous allez pouvoir consulter ici, quels qu'ils soient, ils auront tous ces colonnes spécifiques d'objectifs. Et du coup, vous pourrez comparer le taux de conversion, vous pourrez comparer le nombre d'objectifs réalisés, et éventuellement, vous pourrez même comparer le revenu que ça vous a généré. Vous voyez, si par exemple, on se met en e-commerce, on voit bien qu'ici, on a du chiffre d'affaires. Donc, pour pouvoir utiliser correctement Google Analytics, vous devez absolument paramétrer les objectifs. Donc revenons-en à nos moutons. On va dans les objectifs. Ici, on va pouvoir créer un nouvel objectif. Donc des objectifs, il y a quatre grands types d'objectifs. Celui-là, j'ai presque envie de dire qu'il ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à mesurer comment dire, des utilisateurs plus engagés peut-être que la moyenne ou d'une certaine qualité. Mais l'utilité, elle est très limitée, pour être tout à fait honnête. Ce truc-là, c'est pareil. Les gens qui sont restés au moins 5 minutes, ça nous fait un espèce de premier filtre qualitatif sur le trafic, mais ce n'est pas très intéressant. Les deux seuls qui sont intéressants, c'est destination, donc quand on a vu une page spécifique, et les événements. Alors les événements... Les événements, c'est un tout petit peu plus compliqué et on reverra ça en détail quand on parlera de Google Tag Manager. En gros, si vous vous rappelez, je reviens ici pour vous montrer si ça veut bien charger. Voilà. Donc, on a installé Google Analytics sur toutes les pages. Parce qu'en fait, c'est comme ça que Google Analytics, il fonctionne par défaut. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un visiteur qui voit une nouvelle page, cette information, elle est envoyée chez Google avec des informations annexes telles que le titre de la page, des informations sur l'internaute, quel type d'appareil il utilise, depuis quel navigateur, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si sur une page spécifique, il y a une action? La personne, elle a chargé la page, elle lit la page, elle arrive sur un formulaire de contact, elle remplit le formulaire de contact et la page n'est pas rechargée. Et bien, Google Analytics, par défaut, il ne le sait pas. Il ne le sait pas du tout. Eh bien, pour envoyer une information liée à une interaction sur une page, on va utiliser ce qu'on appelle les événements. Voilà, comme ça, je vous ai introduit un peu la notion. Alors, ce qu'on va voir ici, ça va être imaginez que vous ayez un formulaire de contact et que quand le formulaire de contact a été rempli, vous atterrissez sur une page de remerciement, ce qu'on appelle une thank you page. Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir un objectif qui serait l'envoi du formulaire de contact, par exemple. Et on va dire que c'est une destination. On va continuer.
Et là, on va pouvoir lui dire, par exemple, je ne sais pas, la page pourrait s'appeler merci.php ou merci tout court, ou elle pourrait s'appeler confirmation envoi formulaire. Donc en fait, on va donner une condition ici, et la condition va dire qu'à chaque fois que quelqu'un verra cette page-là, alors ça fait un objectif qui s'appelle envoi du formulaire de contact. Vous voyez le concept. Donc ça, c'est extrêmement utile et extrêmement important. Je suis en décalé de 15 minutes. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre et je ne sais surtout pas ce que je peux y faire. Je suis désolé. Je vais être obligé de continuer. Je ne peux pas reprendre 15 minutes. Mais le live va être enregistré et vous pourrez le revoir en replay, en fait. Donc, continuons. Donc là, vous, sur votre site, vous devez évidemment vous envoyer le formulaire de contact. Vous regardez l'URL de la page qui s'affiche ensuite. Vous venez la remplir à l'intérieur de Google Analytics comme ça. Vous l'enregistrez. Et du coup, vous avez créé votre premier objectif. Alors évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si la page ne recharge pas? Et bien à ce moment-là, on utilisera un événement et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Mais il y a de fortes chances, je dirais, c'est 50% du temps où on a une page de remerciement après. Et du coup, voilà, ça, c'est le moyen de mettre en place un premier objectif. Alors, une fois qu'on a ça, je vais accélérer un peu parce que je vois qu'il nous reste 10 minutes, puis il y a encore pas mal de choses que je voulais vous montrer. On va dans les définitions d'audience. Donc là, c'est pour le remarketing. On va pouvoir aller sélectionner. Donc, vous voyez, le compte Google Ads qui a été lié, parce qu'on fait du remarketing avec Google Ads. Donc, j'active. Donc là, j'active le remarketing. Et par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer une audience de tous les utilisateurs sur 30 jours. Et puis, ce qu'on va vouloir faire, maintenant qu'on a créé un objectif, c'est pour ça qu'il fallait le faire avant, on va pouvoir créer une audience des personnes qui ont réalisé une conversion. Donc, par exemple, on peut envoyer un formulaire. On va dire que c'est des leads. Et on pourrait dire qu'on veut sur 540 jours, qui est la durée maximum de validité ici. À ce moment-là, je dis OK, j'envoie ça vers Google Ads, je publie. OK, je vois ta question, Aude, je te réponds tout de suite, bouge pas. Donc, pour terminer là-dessus, vous voyez, j'ai créé, l'audience, tous les utilisateurs, 30 jours, a été créée par défaut. Nous, on a créé une audience pour les gens qui ont envoyé un formulaire. Puis ensuite, dans Google Ads, on va pouvoir aller cibler tous les visiteurs qui n'ont pas envoyé de formulaire. Évidemment, c'est simpliste. Et ce que je veux que vous reteniez là, c'est la philosophie. Je te réponds tout de suite, Aude. Donc, effectivement, au moment de la création de l'objectif, j'ai mis « commence par ». En fait, on a plusieurs. On pourrait dire « est égal à ». Vous voyez, si l'URL exact de votre page de confirmation, c'est celle-là, alors vous pourriez laisser sur « est égal à ». Commence par, c'est la même chose. Disons que commence par, il est un petit peu plus permissif si jamais vous avez des paramètres à la fin de l'URL. Vous voyez, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais vous pourriez avoir un FB clic égal, un truc du genre. Et du coup, si vous avez mis égal, si vous avez mis égal à ça, et ben, quand la personne verra ça, ça ne se déclenchera pas s'il y a un paramètre d'URL. Donc, j'aime mettre plutôt commence par. Après, c'est égal. Et puis, on a celui-là, expression régulière, qui est encore plus permissif, mais ça, c'est d'un niveau un peu plus avancé. Je ne vais pas pouvoir vous en parler tout de suite. J'ai bien conscience que ça peut être un peu frustrant parce qu'on voit un seul type d'objectif qui est les destinations. La vraie puissance, elle vient des événements. On ne va pas voir ça aujourd'hui, mais on va voir ça bientôt, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça répond à ta question, Aude. Ensuite, je voulais vous parler, et ça c'est important, de filtres, notamment le plus répandu, ça va être le filtre IP, donc on va dire trafic interne. Donc ici, on va venir exclure.
du trafic qui vient de certaines IP. Et puis, par exemple, vous pouvez aller sur mon IP. Vous voyez, donc ça, c'est mon IP à moi. Et je vais pouvoir venir exclure toutes les visites qui viennent de cette IP-là. Ça me permet d'être sûr que je ne vais pas fausser mes données et du coup, que je ne vais pas faire des données dans Analytics qui sont mauvaises. Il faut bien avoir conscience que la qualité des données que vous envoyez à l'intérieur de Google Analytics, elle va déterminer la qualité des analyses que vous pourrez faire ensuite. Et du coup, à plus vous pouvez filtrer du trafic qui n'est pas pertinent et à mieux c'est. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oui, pardon. Donc, moi, j'ai qu'une IP, donc je dirais étant égal. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises, plus elles sont grosses et plus c'est le cas, elles vont avoir des plages d'IP. Et du coup, bah, elles vont avoir ici, elles sont susceptibles de toutes commencer par ça, mais là, elles auront une plage d'IP et selon les postes et les étages du bâtiment, par exemple, les IP seront différentes. Donc, vous pouvez tout à fait dire commençant par et comme ça, bah, vous prenez la partie commune à toutes les IP que vous avez dans l'entreprise et vous dites juste que ça commence par ça. Voilà. Donc, en l'occurrence, je vous ai montré comment on faisait, mais je le supprime. Je le supprime parce que sinon, quand on va vouloir tester, on ne pourra pas vérifier. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, les filtres IP, c'est fait. Alors, si vous avez un site e-commerce, en tout cas, si vous avez un site qui a un système de recherche, c'est intéressant d'activer. Oups. C'est dans les paramètres de la vue, d'aller venir activer. Où c'est? Ok, alors. Où c'est qu'on active? Site search. Ah, je suis Miro, je suis désolé. Donc, il faut activer la recherche. Donc, ça, c'est la recherche interne de votre site. Admettons. Admettons qu'on aille sur ce site-là. Vous voyez, là, il a un système de recherche. Je peux faire une recherche. Mettons test. Donc là, j'ai fait une recherche interne sur le site. Et en fait, si vous regardez un peu l'URL, vous vous rendez compte que ce que j'ai tapé là-dedans, ça vient après ce qu'on appelle un paramètre d'URL. Là, en l'occurrence, le paramètre d'URL, c'est Q. Vous voyez, c'est la même chose si on fait une recherche sur Google. Par exemple, si je mets test ici, on doit, voilà, vous voyez, ici, c'est pareil. Ce que j'ai tapé dans le moteur de recherche, c'est test. Et on voit qu'il y a un paramètre de recherche ici. Donc, sur votre site, vous faites une recherche interne sur votre site à vous. Vous regardez la page de résultats, puis vous voyez si vous retrouvez ce que vous avez tapé dans votre barre de moteur de recherche et vous regardez le paramètre qu'il y a ici. Vous venez le copier et puis après, vous allez pouvoir le renseigner ici. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous activez ici, vous mettez le paramètre de requête là-dedans et ensuite, vous enregistrez. Et puis, voyez, si je reviens ici sur les données de Google, dans le comportement, on va avoir des rapports qui sont ultra intéressants et qui vont vous donner ce que les gens ont recherché sur le site. Alors, c'est bizarre, chez eux, il n'y en a pas des masses. Soit c'est mal paramétré, soit les gens ne l'utilisent pas. Ouais. Alors, soit c'est mal paramétré, soit les gens ne l'utilisent pas. Mais en gros, vous avez toute la liste de tout ce que les gens ont cherché sur votre site. Ben, c'est un peu comme si vous disiez ce qu'ils veulent. C'est un peu comme si vous disiez ce qu'ils veulent. La plupart du temps, vous regardez vos données Analytics et puis vous essayez d'interpréter et de comprendre. Vous voyez le quoi, vous voyez le contexte, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Et en fait, la prospérité d'une entreprise, elle est dans la compréhension de ses clients. Plus vous comprenez vos clients, plus vous pouvez adapter vos produits, plus vous pouvez adapter votre offre. Et du coup, en sachant ce que les gens viennent rechercher sur votre site et ils vous le disent, ils le tapent dans la barre de recherche, bah ça, c'est une information qui est extrêmement précieuse. Vous devez absolument paramétrer ce rapport-là, d'autant que, comme vous l'avez vu, il n'est vraiment pas difficile à paramétrer. Donc,
Je vous remontre, c'est dans les paramètres de la vue. Vous descendez tout en bas, vous activez ça, vous allez faire une requête sur votre site, vous regardez le paramètre de recherche, qu'est-ce qui est avant égal, et vous venez le copier ici, puis vous enregistrez. Donc ça, c'est pour la recherche interne. Du coup, il est 16h. On est censé arrêter, mais il y avait encore 2-3 trucs que je voulais vous montrer. Alors, je propose de continuer. De toute façon, vous aurez le replay. Et si jamais vous devez partir maintenant, parce que vous aviez prévu qu'une heure seulement, il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Et vous pourrez regarder la fin ultérieurement. Donc, je vous ai parlé de la recherche interne, je vous ai parlé du filtre. Je voulais juste vous parler des transactions pour le e-commerce. Donc, vous pouvez venir dans les paramètres de la vue ici. Et vous pouvez activer le e-commerce. Alors après, vous avez la possibilité d'activer ce qui s'appelle le e-commerce amélioré. Mais le e-commerce amélioré, c'est un truc qui demande une mise en place technique très avancée. Celui-là, il est très facile à mettre en œuvre. Et la plupart du temps, si vous passez par un CMS classique du genre Shopify, du genre PrestaShop, y compris WordPress avec WooCommerce, la plupart du temps, en activant le e-commerce comme ça, ça suffit. Donc voilà comment on va activer le e-commerce. On ne peut pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui, mais il faudrait quasiment faire un live complet pour parler de ça. Donc une fois que vous l'avez activé, c'est quelque chose qu'on reverra un petit peu plus tard la prochaine fois, vous aurez du coup accès à ces rapports de e-commerce qui vont vous permettre de mieux comprendre les ventes et puis aussi la performance de votre entonnoir de vente à la fin. Donc ça, c'était pour activer le e-commerce. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre encore? Je voulais vous montrer comment on vérifie l'installation. Ça, c'est important aussi. Donc, on a des rapports qui s'appellent temps réel. En fait, ils ne servent pas à grand-chose. La seule chose pour laquelle ils servent, d'après moi, ça va être de vérifier que l'implémentation elle est bien mise en place. Donc, en fait, vous venez à l'intérieur du contenu. Alors, évidemment, pour l'exemple, moi, j'ai installé Google Analytics nulle part. Je vous ai tout montré comment le configurer, mais cet Analytics-là n'est installé nulle part, en vérité, chez moi. Chez vous, ce ne sera pas le cas. Et en fait, vous devriez voir des barres ici qui correspondent aux pages vues par vos visiteurs. Si, comme moi, vous ne voyez rien, c'est que vous avez un problème et que Google Analytics il n'a pas été installé correctement. Mais s'il a été installé correctement, vous avez juste à aller sur votre site, vous rechargez, par exemple, la page. Et en rechargeant la page, quand vous reviendrez là-dedans, vous verrez des barres qui défilent. Et puis en dessous, vous aurez aussi des informations sur les pages qui sont vues. Il vous dira aussi sur quel appareil, etc. Donc ça, c'est le moyen de vérifier que votre Google Analytics, il a bien été installé. Ensuite, je vous le montre quand même pour la forme. Si vous faites du Google Ads, maintenant que les comptes ont été liés, je vais juste recharger le compte Google Ads parce que comme l'association a été faite dans l'Analytics, lui, il n'est pas au courant si je ne le recharge pas. Je vous augmente la taille des trucs. Donc, on va aller dans les conversions. Et en fait, une fois que vous avez associé Google Ads à Google Analytics, vous allez pouvoir importer des objectifs. Alors, vous voyez, ici, soit vous créez des conversions directement Google Ads, ça vous verrez peut-être plus avec Jean-Michel qui s'occupe de la partie Google Ads, soit vous pouvez les importer depuis Google Analytics. Donc, c'est juste ça que je veux vous montrer. Donc, maintenant qu'on a associé les comptes, du coup, Google Analytics, il est disponible. Et puis, donc, voilà, ça, c'est ce qu'on a créé. Donc, on vient d'activer le e-commerce, donc il me propose d'importer des transactions. Ça veut dire que finalement, toutes les transactions qui vont remonter dans Google Analytics, elles vont remonter aussi dans Google Ads avec le chiffre d'affaires. Et on ne peut pas optimiser des campagnes si on n'a pas, évidemment, les résultats de ces campagnes. Donc, si vous faites du e-commerce, ça vous permet facilement de remonter des transactions. Et puis, à contrario, vous pouvez aussi, voyez, donc là, j'avais créé cet objectif. Envoi du formulaire de contact. Donc, c'est pareil, vous pourriez importer celle-ci. Donc, vous voyez comment,
finalement, une fois que vous avez fait le paramétrage à l'intérieur de Google Analytics, après, ça vous sert aussi pour Google Ads et vous pouvez importer les transactions ou les objectifs que vous avez créés à l'intérieur de votre compte Google Ads. Et puis, une dernière chose, et puis après, c'est promis, je vous libère. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la Search Console. Alors, pour faire simple, la Search Console, attendez, hop, que vous me voyez un peu. Pour faire simple, la Search Console, c'est un outil gratuit de Google qui va vous donner des informations sur votre référencement naturel. C'est-à-dire qu'il va vous donner les mots-clés par lesquels les gens atterrissent sur votre site grâce au référencement naturel. Il va aussi vous ouvrir un canal de communication avec Google. Vous pourrez par exemple donner ce qu'on appelle un sitemap. Un sitemap, c'est un fichier dans lequel vous allez donner à Google toutes les pages que vous voulez qui soient indexées, qui soient trouvables à l'intérieur de son moteur de recherche. Il y a beaucoup, beaucoup d'options, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans la Search Console qui sont hyper intéressantes. Et si vous avez un site qui vous appartient, vous voulez absolument avoir ces informations, vraiment. Je donne un dernier exemple, mais si par exemple votre site il a été piraté, vous pourriez ne pas le savoir. Et en fait, en ayant un compte Search Console qui est paramétré, bah, Google va vous envoyer des messages en vous disant « Ok, on a détecté que ton site il a été piraté et voilà ce que tu peux faire pour qu'il ne le soit plus. Voilà comment tu peux résoudre ton problème. » Donc, c'est un des exemples parmi bien des autres qui, pour des raisons pour lesquelles la Search Console elle est très, très importante. Et en fait, si je vous parle de tout ça, c'est parce que la Search Console, on va pouvoir l'associer. Vous voyez, si je reviens un petit peu dans l'admin. Je vois ta question, Gilles. Je te réponds dans pas longtemps. Bouge pas. Donc, si je reviens ici, dans les paramètres de la vue, il me semble que c'est ici. Alors, si c'est pas ici... Où est-ce que ça va être? Je l'ai vu tout à l'heure. Il me semble pourtant que c'est dans les paramètres de la vue. Tiens, Gilles, pendant que j'y suis, alors ici, tu as un filtrage des robots qui exclut tous les robots qui sont connus. Il y en a déjà une liste qui est assez conséquente. Et il y a une liste qui est conséquente. Elle est mise à jour régulièrement. Après, elle n'est pas exhaustive et c'est clair que ce n'est pas parfait. Et que tu auras toujours des robots. C'est très compliqué de ne plus en avoir. Il y a bien des techniques qui sont avancées, mais elles ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Il n'y a rien qui est parfait. Donc après, oui, les données analytiques ne sont pas parfaites. Oui, elles peuvent être enrichies, parfois beaucoup, un peu trop, par des robots. On peut avoir du spam qui vient notamment dans Google Analytics. Mais ouais, je dirais que le mieux à faire, c'est ça. Et puis après, quand tu utilises Analytics de manière avancée, comme on verra dans les prochains lives, tu fais tellement de segmentation qu'en fait, c'est ta segmentation qui va d'office exclure les robots. Tu vois, quand tu commences à dire « je veux que la personne elle ait vu ça et qu'elle ait fait ça et qu'ensuite elle ait fait ça », bah, les robots ils font pas ça. Et c'est forcément des vraies personnes que tu as dans ton segment. Et ensuite, c'est par la segmentation que tu vas vraiment répondre à des questions business qui vont te donner des actions à mettre en œuvre pour améliorer ton site, pour améliorer ton marketing. Donc, non, ce n'est pas parfait. Oui, tu auras toujours des problèmes de robots, mais dès lors que tu utiliseras Google Analytics correctement, c'est-à-dire en utilisant de la segmentation, les robots, ils ne gêneront presque plus, voire plus du tout, en vérité. J'espère que ça répond à ta question. Et puis je ne trouve toujours pas la Search Console. C'est fou, ça. J'ai le nez toute la journée dans ces trucs et j'arrive pas à trouver la Search Console. Alors, voilà, c'est au niveau de la propriété. Donc, déjà, il faut créer un compte Search Console. Donc ici, admettons que pour l'exemple, je veux regarder sur mon site à moi. Alors, je veux juste vérifier parce que je ne sais pas si j'ai les 3 W. Ouais, j'ai pas les 3 W. Alors, donc c'est bien comme ça. Donc là, je continue. Et en fait, alors évidemment, il ne faut pas que les gens, que n'importe qui ait accès à ça. C'est des données sensibles et confidentielles qui ne regardent que vous. C'est vos données de SEO. Elles sont précieuses.
Donc, avant de vous donner accès à ces données-là, Google vous dit, eh ben, il faut que je sois sûr que c'est bien ton site. Alors, du coup, il nous propose plusieurs moyens pour valider que c'est bien notre site. Donc, l'avantage, c'est qu'on a à la fois Google Analytics, mais aussi Google Tag Manager, et qu'en fait, si vous avez tout sur la même adresse mail Google, si vous avez tout sur le même compte Google, bah, vous allez pouvoir valider avec ça. Alors, est-ce qu'il va vouloir me valider avec Google Analytics ? Non, il ne veut pas parce qu'il a vu qu'il y avait Tag Manager. OK. Alors, j'essaye avec Google Tag Manager. Il ne veut pas parce que ce n'est pas placé au bon endroit. Décidément, je n'ai pas de chance. Alors, on va faire une autre technique. On va arrêter de se prendre la tête. Alors. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Search Console, voyez, vous aurez accès à ce truc-là avec notamment, ce n'est pas l'objet, mais enfin, j'imagine que vous êtes curieux et vous voulez savoir, surtout si vous n'avez jamais vu ce truc-là, vous aurez accès à tous les mots-clés avec des données qui sont liées, voyez, le nombre de recherches, c'est ce qu'on appelle les impressions, le nombre de clics, le taux de clic, la position spécifique que vous avez sur la page, ça c'est excellent pour pouvoir améliorer votre référencement naturel. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est que du coup, toutes ces données, elles sont ici dans la Search Console, mais comme on voudrait que l'analytics soit la pierre angulaire de tout ça, eh ben, on va associer la Search Console de manière à ce que les données que vous trouvez dans votre Google Search Console, elles soient importées dans Google Analytics et que plutôt que devoir ouvrir plusieurs outils, plusieurs fenêtres pour aller chercher des infos à droite, à gauche, bah, vous allez avoir tout à un seul endroit. Donc, vous venez paramétrer la Search Console. Je vous remonte peut-être juste. Donc, c'est dans les paramètres de la propriété. Vous descendez. Vous allez ici sur Search Console. Vous cliquez sur paramétrer la Search Console. Ensuite, vous allez ajouter. Et à ce moment-là, donc, moi, je n'ai pas réussi à le créer hein, pour les raisons que vous avez vues, mais si j'avais réussi, bah, ici, j'aurais un site qui serait brunoguyot.com et j'aurais un petit bouton pour pouvoir l'associer. Et à partir du moment où j'aurais associé, eh ben, c'est quelque chose qu'on verra quand on parlera des rapports, mais en fait, vous voyez, ici, il y a un truc qui s'appelle Search Console et qui vous permet d'avoir l'intégralité des données que vous avez dans cet outil-là. Donc, c'est pour des fins de commodité. C'est quand même assez commode de pouvoir tout importer là-dedans et pouvoir tout analyser dans un seul endroit plutôt que 15. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je dirais qu'on a fait le tour. Je vais me remettre en vision avec vous. Voilà. Donc déjà, merci d'avoir été là. C'était le premier live. Et c'était mon premier live aussi, alors j'avoue que c'était un peu tendu. Donc, ravi d'avoir fait ça avec vous. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions et des choses auxquelles je pourrais répondre pendant qu'on y est ? N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je dois remontrer rapidement, il n'y a pas de souci. Je laisse les 20 secondes de décalage. Merci Eric. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse encore 2-3 minutes pour me dire si vous avez des questions. Il faut que je vous partage un truc. Je dois vous montrer cette slide-là. En fait, sur cette slide-là, vous avez la possibilité de donner votre avis, de dire ce que vous avez pensé de la session, de proposer des pistes d'amélioration aussi. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Je crois aussi que vous pouvez donner des idées de sujets à traiter. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat.
Je vous laisse encore une ou deux minutes. Après, c'est un format qui est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce que finalement, on a une heure et c'est assez difficile en une heure de voir tout ce que je veux voir. J'ai plus l'habitude de format 3-4 heures. Donc, on va améliorer ça avec le temps. N'hésitez pas à me laisser des recommandations. Alors, est-ce que le slide sera partagé? En fait, sur le slide, il n'y a pas grand-chose. Sur le slide, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ça, finalement. Et puis ça. Mais après, sinon, tout le reste, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Après, alors par principe, Google, ils ne veulent pas qu'on partage leurs slides à eux. Mais par contre, ça, je l'ai sur des slides à moi. Ça, c'est mon contenu à moi. Donc, éventuellement, je peux le partager. Il n'y a pas de souci. Fais-moi un mail sur bruno.guyot@gmail.com. Tu me dis, c'est Eric, j'aimerais bien avoir le slide. Puis, je t'enverrai ma version à moi qui n'a pas de problème à être partagée. Ensuite, alors, Coach Mama, vous avez parlé de Data Studio qui remplaçait Analytics. Il faut donc quand même se concentrer sur cette config d'Analytics si Data Studio le remplace. Alors, en fait, c'est une excellente question et je suis désolé si je me suis mal fait comprendre. En fait, Data Studio, il ne va pas remplacer Google Analytics. Google Data Studio, il va venir ici en reporting. Alors, je peux peut-être vous montrer un exemple. Je vous montre un exemple. Ça, c'est un outil que j'ai créé moi et qui est un outil pour analyser les comptes Google Analytics. En fait, j'ai les mêmes informations là-dedans que je vais avoir dans Google Analytics, mais il y a une différence qui est majeure, c'est que plutôt que de devoir recharger 50 millions de pages et devoir faire plein de segmentations, etc., j'ai la même chose là-dedans, j'ai tout à un seul endroit et j'ai mes segmentations qui sont beaucoup plus faciles d'accès et apparentes. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant de faire le reporting directement à l'intérieur de Data Studio. Donc en fait, si je reprends un peu ma slide, en fait, on collecte avec Google Tag Manager, on en a parlé, et on va reporter avec Data Studio. Et en fait, la seule chose qu'on va faire, c'est de stocker les données à l'intérieur de Google Analytics. Donc on va déterminer quelles données on va récupérer avec ça. Ensuite, on les envoie chez Google Analytics et ensuite, on va les visualiser dans Google Analytics. Donc, pour répondre parfaitement à ta question, Data Studio ne remplace pas l'Analytics. C'est juste qu'il va nous permettre de visualiser les données avec plus de facilité et en plus, c'est plus sexy, il faut se le dire. Et puis, il faut quand même donc se concentrer sur la config d'Analytics. La réponse, c'est oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on va mettre à l'intérieur qui va déterminer les rapports qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est hyper important. D'ailleurs, on pourra aussi se faire une session Data Studio pour ceux qui veulent à un moment donné. Alors ensuite, on a une autre question de Gilles. Donc, le fait d'installer Google Analytics sur un site va-t-il automatiquement améliorer le SEO? Non, c'est vraiment deux choses bien séparées. Google Analytics, il n'a vraiment rien à voir avec le SEO. Par contre, et c'est ce qu'on verra aussi, j'espère, semaine prochaine, mais si ce n'est pas semaine prochaine, ce sera celle d'après. Hein. On a du temps. Maintenant que ça s'est mis en place, on pourrait potentiellement faire un live par semaine. Ça peut être cool. Mais on va trouver des informations dans Google Analytics et aussi dans Google Search Console pour aller améliorer le SEO. Je vous donne un exemple. Vous voyez, si par exemple, je prends n'importe quelle page, je prends cette page-là, donc là, j'ai filtré vraiment les données pour une page de mon site bien spécifique, puis qu'après, je vais voir les requêtes. Et bien, vous voyez, par exemple, je vois que ce mot-clé-là, il est recherché 390 fois sur la période, que j'ai 63 clics sur ces 390 recherches. Ça fait un taux de clic de 16%, ce n'est pas si mal. Mais je vois que je suis en moyenne en position 13. Et du coup, puisque je suis que en position 13, alors que c'est un mot-clé qui a quand même un peu de recherche,
ben, je vais peut-être vouloir modifier ma page, enrichir ce que je dis sur ce mot-clé-là, développer un peu plus, de manière à essayer de monter la position ici. Donc, le fait de mettre Google Analytics sur un site, ça n'a aucun impact sur le SEO. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais par contre, il y a des informations qu'on va pouvoir trouver dans Google Analytics qui vont nous permettre d'aller améliorer notre SEO. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, a priori, on a fait le tour. Je vous remercie encore à tous d'avoir été là. J'étais heureux de partager ce moment avec vous. Et puis, bah, on se revoit la semaine prochaine. Donc, jeudi prochain, c'est le matin. Vérifiez. Attendez, je peux vérifier pour vous. Il me semble que c'est le matin à 10h. De toute façon, si vous vous abonnez à la chaîne, vous serez prévenu. Et puis, si vous me suivez sur LinkedIn, si ce n'est pas le cas, faites-le, sait-on jamais. Mais si vous me suivez sur LinkedIn, je partagerai. Je vous avoue que comme c'était mon premier live et que j'avais un peu peur que ça plante ou qu'il y ait un problème, je ne l'ai pas du tout partagé, celui-là. Mais vu que ça s'est très bien passé et que vous avez été formidable, je vais vraiment faire de la communication et de la promo pour les prochains, de sorte à ce que tout le monde puisse être informé. Eh bien, allez, je vous dis à bientôt. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de semaine. Portez-vous bien et restez chez vous.